Bonjour à tous, c'est Odnil, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de Pokémon Diamant Étincelant, donc à la recherche cette fois-ci de Carapuce, maintenant qu'on a trouvé Salamèche et Bulbizarre les dernières fois. Donc je suis reparti de Félicité, j'ai redescendu du coup dans les souterrains et je me suis mis donc juste à côté d'un biome haut. Donc normalement on devrait avoir plus de chances d'attraper Carapuce cette fois-ci. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous les avez trouvés facilement du coup suite à nos dernières vidéos ou pas, ou si vous avez aussi galéré comme moi, ou s'ils sont apparus du premier coup. Dans ce cas-là, vous êtes plutôt chanceux, hein. À chaque fois, il m'a fallu 20-25 minutes. Si en plus vous le tuez, il faut rajouter encore 20-25 minutes. Axoloto, on l'a déjà attrapé, on va repartir. Là, le biome est très grand, c'est cool, mais par contre, en effet, on va être bloqué à chaque fois avec les Pokémon. Il faudrait que je rentre juste un tout petit peu et que j'aille pas trop loin. Sauf que j'ai toujours peur qu'il apparaisse dans le fond de la caverne et que je ne le vois pas. Rien pour cette fois-ci. Est-ce qu'on va pouvoir passer entre? Allez, hop. Oula, il fonce le taureau. Ah, mais 40-40 sur les sautins, c'est très très tentant en plus d'aller les faire. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'était ouais, d'aller mettre dans ma cache secrète justement d'aller mettre des statues d'eau hein, pour essayer d'avoir un peu plus de chance de faire apparaître du coup Carapuce. J'avoue que j'ai plutôt juste fait de la déco et posé vite fait les statues que j'avais récupérées. Alors là il y a un Pokémon qui m'intéresse qui est dans l'eau, j'avais jamais vu jusque là. Comme toujours, on profite aussi de l'apparition de certains Pokémon qui ont l'air d'être plutôt rares. Arachdo. Pour les capturer en même temps, hein. Quitte à faire des allers-retours dans les salles. Autant les capturer en même temps. Alors. Qu'est-ce qu'on va faire? Un petit tranchère, ça risque de lui faire très mal. On va tester un Giga Sensu. J'ai un petit peu peur. Hop, on va repartir sur de la Pokéball toute simple. J'ai refait le plein avant de descendre, hein, parce que c'est quand même toujours bien d'arriver en bas avec quand même pas mal de Pokéball. Ce serait dommage de le trouver et de plus avoir de Pokéball sur soi. Insectéo, ok. Hop, dans la boîte PC, c'est pas toi qu'on recherche. Une fois que j'aurai rattrapé, je pense, les trois, hein, donc là, juste le Carapuce, je pense que je vais essayer de leur faire faire des petits pour pouvoir les avoir au niveau 1 et les faire évoluer comme si j'avais commencé avec eux quasiment. Peut-être me faire une team Bulbizarre, Carapuce, Salamèche, Pikachu. Ça peut être vraiment sympa. Si jamais vous êtes dans le début du jeu, que vous avez débloqué les échanges et que vous voulez les récupérer, hein, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, on peut toujours s'arranger. Ça peut toujours être sympa, j'aurais bien aimé les avoir dès le début pour commencer l'aventure avec eux.
facile celui-là, c'est bon. Je l'ai déjà. Allez, on va pas aller dans le fond, mais j'espère qu'il n'était pas apparu là-bas. Je sais pas si vous, ça vous est arrivé aussi de rentrer et sortir tellement vite que des fois vous êtes rentré dans la salle, vous l'avez vu et avec un réflexe vous êtes ressorti et du coup il a fallu repartir à la recherche. Ça m'est pas arrivé jusque là mais j'ai vu des vidéos où c'est arrivé à certains. C'est un peu dommage. Arrête, là il y en a un qui est dans l'eau aussi que j'ai jamais vu. Je sais pas si le carapuce du coup apparaît dans l'eau ou s'il apparaît sur terre, je pense qu'il apparaît quand même plutôt sur la terre. Un queenfish. On va pas lui faire l'attaque d'air parce que je pense que ça va lui faire mal. On va retenter un giga sensu. Hop, le petit sifflet qui indique la fin de la recherche des trésors. Avec le bœuf. Ah, ah, c'était vraiment juste. Ouais. Je pensais que ça allait passer, que ça allait être vraiment limite, mais non. Ah non, toi, j'étais déjà. Laisse-moi descendre. Je crois que je sais déjà un. On repère en haut à droite à côté du nom du Pokémon quand il apparaît. On voit s'il y a une petite, voilà, là, il y a une petite Pokéball qui apparaît, donc c'est que j'en ai déjà capturé un. Toi j'étais déjà. Toi j'étais déjà aussi. Voilà, il y a vraiment pas beaucoup de Pokémon cette fois-ci. L'élémentin ça manque pas. On va tous partir en fuite. Hop. Et repère un autre Pokémon oiseau apparemment à côté là que j'avais jamais vu jusque là. On va peut-être lui faire les attaques très efficaces histoire de maintenir celui-ci. Je pense que je l'ai pas. Ça semble être de canard. Un canard tichot. Ah, celui-ci il a dû apparaître à la suite de la première génération ou dans la première, parce que ça me dit quelque chose. Le tranchère, ça lui fera trop mal, giga sensu. Ok, ça, ça va. On va peut-être faire du coup de vampirisme au début. On va essayer de lui faire un petit peu plus. Par contre, il faut des lames d'air. Ok, là, ça va faire mal. Alors, hop. Alors, le. Ok, ouais, 72. Allez, on va envoyer. Celui-ci sera le prochain à level up. Ou en tout cas, être le plus bas level. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire là? Sabotage, c'est pas. Oh, bon. Vraiment que du one shot tout le temps. Quoi. Alors.
Te ressens déjà. Sacha, parce que je crois qu'il fait très mal à mon charmion. Oh, l'animation. Vraiment très jolie, quoi. J'avais pas fait fuite, mais qu'il m'a pas laissé m'échapper. Ok. Bon, puisque tu veux pas me laisser m'échapper, hein, tu vas prendre cher, avec toi. Ah, elle était vraiment très jolie, cette animation. Hein. Damoclès. Alors, hop, un petit point boost. Un petit close combat pour changer les animations. Voilà, ça te prendra à nous retenir. Non mais... Laisse-moi passer... Allez, Carapuce, viens là, Castor non. Oh là là, le gars. Et ici, je pense que je n'ai pas à Corayon. Ah oui, j'étais parmi de la vie. Passer sur un électrique, ça va lui faire très mal. Absolument pas ce qu'il faut prendre du coup pour le capturer. Alors peut-être que Machouille est armé. Voilà, top. Ça c'est bon. Ah, il se remet de la vie, non. Oh là. Que c'est pas facile de les mettre juste dans le rouge, c'est en plus qu'ils reprennent de la vie, c'est un peu galère. Ou alors faut qu'il se remette de la vie jusqu'au bout et comme ça je peux lui refaire l'attaque. Mais là j'ose pas l'attaquer parce que c'est sûr que je vais le tuer. Il y a vraiment pas mal d'animations que j'avais pas vu pendant la première période du jeu avec le Pokémon régional. Et qui sont plutôt très jolies. Allez, on réessaye. Ah, je crois qu'il veut pas. Là, la Pokéball, il sort vraiment directement. C'est pas ça non plus, patac, Machouille. Ah, celle-ci elle est jolie hein. Aussi. Ah, non. Arrête de te remettre de la vie. On est une super. De chance. Allez. Yes, c'est bon.
l'air dur, il avait ok. On a récupéré un objet au passage. Non, laissez-moi tranquille à tous les autres. Allez, on passe entre. Hop, 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 les castors, hop, on est vite, hop. C'est bon. Ah non, direct dessus. Et j'ai toujours pas remis de vie à mon Charmillon. On va faire ça tout de suite, on va esquiver l'autre lamantin. Alors, ouais, une hyper potion. Voilà. On va mettre aussi une sur l'X-ray. Et c'est bon. Hop. Allez, carapuce, où es-tu? Ça va aller sur son petit castor. Tout le monde doit être en train de chercher un carapuce, c'est ça? Je pense que lui aussi il est en train de le chercher parce que comme moi il esquive pas mal les autres. Jamais on le trouve pas, n'hésitez pas à me dire dans vous dans quel biome vous avez été. Il y a peut-être des biomes qui sont plus pratiques pour traverser d'un côté à l'autre en voyant toute la map. C'est d'ailleurs pour ça sur les Pokémon là que je mets pas la caméra. Je sais pas si vous préférez ou pas sans webcam, mais c'est plus facile de voir bien toute la carte pour être sûr de pas louper s'il apparaît dans un coin. Et être sûr de pas passer à côté. Pas toujours facile d'esquiver les Pokémon. Bon, t'as déjà. Ce que je vais faire, je pense que je vais mettre Luxray en premier Pokémon. Qui est mon Pokémon électrique. Comme ça, le premier qui vient à chaque fois m'embêter, hop, on le one shot, c'est sûr. Faudra juste si je croise Carapuce que je pense bien changer. Bon, sinon je pourrais toujours le changer en combat, mais c'est vrai que ça fait on perd un tour, c'est un peu dommage. Changer clair, de toute façon on n'aura pas le temps de changer. Ah bah si, ok. On sait qu'il avait une one shot et non, comme par hasard. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Des fois, on n'a pas de bol. J'avais voulu le mettre dans le rouge pour pouvoir le capturer, j'aurais pas pu. Très jolie attaque là aussi encore. On va lui faire une mâchouille. Ah, j'ai cru que ça allait pas le tuer. Elle descendait tellement doucement. Bon, bien j'ai l'impression que ce sera pas pour aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de Pokémon dans cette fois-ci. Ah, au moins en se faisant des petits objectifs comme ça, ça permet de
d'XP un peu tout le temps quand on s'enfuit pas, hein, bien sûr. Parce qu'il paraît qu'à la ligue, elle a repris encore des Pokémon plus forts la dernière fois, mais déjà qu'elle est assez costaud de la première fois, ça va pas faire de mal à mon équipe de level up. Notre fameux canardis, on va l'attraper puisqu'on l'a pas eu tout à l'heure, il me semble. Hop. Je sens que je l'avais one-shooté encore. Je sais pas si un missile électricité ça va lui faire beaucoup aussi. Hyper efficace. Donc on va pas faire ça, on va faire une mâchouille en espérant que ça ne le tue pas. Ok. Un artichaut tranchant avec son lame-feuille. Alors qu'est-ce qu'on va se prendre? Une Pokéball. On devrait pouvoir déposer la Master Ball dans un coffre pour être sûr que je la jette pas quand je capture n'importe quel Pokémon. Voilà, avec un artichaut, c'est attrapé. Ok, on range son poireau dans le sac. Qu'est-ce qu'on en a du coup sur le Pokédex? Ok, 137 attrapés, 218 vues. Top. J'aurais pu filer un petit coup de main au copain à côté en train de taper sur son mur. Ça aurait pu être sympa. Ça permet du coup de taper en plus sur les rochers sans que ça casse la pierre tout de suite. Avec un artichaut, on a vu tout à l'heure, donc c'est pas la peine. J'aurais pu essayer de le one shot pour l'XP. Wow. Sûr que si je veux XP là, pour les one-shotter, ça va jamais marcher. Je vais toujours à la limite du rouge. Non, ça va. Un coup de pique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment pas mal aussi ce système où les Pokémon du coup. Nous apprécie du coup parce que par exemple elle se promène avec ou des choses comme ça et ça leur permet de guérir de certains saignements par exemple ou certaines autres interactions qu'ils peuvent avoir. Et du coup on a un petit commentaire, Luxeray vous aime bien, il ne veut pas que vous sentiez mal pour lui et du coup il guérit de telle ou telle chose, c'est vraiment pas mal. Seul niveau 76. Carapuce se fait vraiment désirer. Que je voulais, j'aurais préféré la rigueur l'autre du dessus parce que je l'ai pas. Allez, un petit étincelle, ça fait longtemps qu'on l'a pas utilisé. Ah le voilà. Alors, le moment où j'allais arrêter la vidéo en me disant bon, on ne trouvera pas cette fois-ci.
Le voici, c'était pareil avec Bulbizarre, hein. J'arrivais à la fin, je me suis dit bon bah tant pis, ce sera pas pour cette fois-ci, et je vais partir. Bon, vous avez vu que j'ai pas mis d'ailleurs le Charmillon, je suis parti avec Luxray, donc on va pas du tout attaquer avec Luxray. Qui c'est qui lui ferait pas de mal là? On va mettre. Oh là là, c'est compliqué hein. De l'express, c'est qu'il risque de trancher. Ah, il dit on va mettre. Ah, j'aurais peut-être dû en mettre Charmé. Bon, de toute façon, je pense qu'on va essayer de l'attraper sans le toucher. Un petit bouclier. Alors. Se faire à l'hyperbole du coup. Si j'ai la pokéball de début de combat, allez la rapide balle. Hop. Ah ça fait trop beau là. On va partir du coup. Alors peut-être que le filet ball ça pourrait marcher hein, sur les Pokémon haut. Je pense que comme on lui a pas du tout baissé sa vie, ça risque d'être compliqué, peut-être pas. Allez, 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 allez. Yes! Top. C'est bon. Très bien, et bah c'est super, on a réussi à le capturer dans cette vidéo-là. Oups. Ça y est, du coup, on a les trois du premier starter. Et ben voilà, on va quand même arrêter cette vidéo-là. Du coup, je vous laisse me dire dans les commentaires si vous avez eu des difficultés à les attraper ou pas. N'hésitez pas du coup à redire lequel des... vous préférez, si vous avez monté aussi une team comme ça avec les trois pour aller monter jusqu'à la ligue, pour aller battre à la ligue. Je vous dis à très très bientôt, je vous souhaite du coup un joyeux 31 et puis nous on se retrouve eh bien l'année prochaine. Allez, ciao ciao, bye bye.